Alors, salut à toutes et à tous, c'est Trotter sur la chaîne des tutos RPG Maker. Bienvenue pour un nouveau tutoriel RPG Maker. J'espère que vous allez très bien et que tout le monde chez vous va très bien, surtout que le froid commence sérieusement à arriver. D'ailleurs, moi-même, je suis un peu malade. Je pense que ça s'entend au micro, mais bon, ça ne va pas m'empêcher de faire le tutoriel et j'espère que ça ne va pas vous empêcher de suivre le tutoriel non plus. Donc couvrez-vous bien, faites attention au froid, mangez des oranges, buvez de la soupe et tout ira bien. Voilà. Donc tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet parce que moi j'aime pas trop perdre de temps, vous me connaissez bien. Donc on va commencer par lancer RPG Maker qui est ici, RPG Maker 2003.exe. Donc c'est un logiciel que vous pouvez télécharger sur Oniromancy par exemple. Soit vous tapez Oniromancy sur Google, vous tombez tout de suite dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, vous tapez rpg-maker.fr et là, vous pouvez télécharger tout de suite le logiciel gratuitement, sans souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est le projet sur lequel je travaille. Je vais le fermer. Je vais ouvrir un nouveau projet. Et le projet test, c'est le projet test sur lequel je fais tous mes tests en fait. Dès que j'ai envie de tester une nouvelle commande ou alors faire voir des tests en fait. Voilà, donc je vais le prendre. Et c'est pas celui-là. Et je me suis planté. En plus, il est gros celui-là. C'est projet 2. Voilà. Voilà. Donc pour mettre les jeunes, je vais créer une nouvelle carte. Donc sans titre, nouvelle carte. Donc le nom de la carte, on va donner quelque chose, ça n'a pas d'importance. Hein. Par exemple, test maître jeune, par exemple. Bon après, c'est pour aller rapidement. Hein. C'est pour pas trop perdre de temps. Donc là on arrive sur la nouvelle carte, on voit que c'est que de l'eau, c'est normal. Et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est commencer par mettre le point de départ du héros. Hein? Comme ça, dès qu'on lancera le jeu, on arrivera directement sur cette carte, sans se prendre la tête avec des téléporteurs ou quoi, juste on vient, on arrive sur la carte, pas de souci. Donc c'est clic droit quelque part, placer la position de départ de l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est bien le symbole qui indique la position de départ du héros. Donc si je fais test par exemple, voulez-vous sauvegarder la carte? Ah, oui. Voilà. Donc là, on arrive tout de suite, même pas de menu nouvelle partie, c'est bizarre d'ailleurs. Donc on arrive tout de suite dans l'eau, on ne peut pas bouger. Bon. Donc pour mettre des gens, on va commencer par mettre de l'herbe. Voilà, vite fait. Parce que, hein. Bon, je fais ça rapidement parce que j'aime pas trop perdre de temps. Voilà. Donc de l'herbe, hein, tranquillement. Bon, c'est vite fait. Voilà. Donc même on peut mettre par exemple des arbres ou quelque chose comme ça. Donc là on va vouloir mettre un personnage au milieu des deux arbres. Par exemple, on peut mettre un soldat comme ça, ou n'importe quoi, un paysan, mais on va mettre un soldat, on va dire, juste au milieu des deux arbres. Donc c'est assez rapide, hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête 20 ans, voilà. Donc maintenant on a le soldat qui est placé. Voilà. Et bien c'est la fin de ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. La prochaine fois on apprendra à faire parler le soldat par exemple. Voilà. Allez, et portez-vous bien.